En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare fermée la troisième session ordinaire, extraordinaire de la première année législative 2011 et ouverte la première session ordinaire de la deuxième année législative 2012. Le mouvement de refondation nationale qui passera inévitablement par la constitution et le renforcement de nouvelles institutions sociales, culturelles, politiques et économiques. Nous encourageons ainsi certaines mairies qui assistent les populations sous les tentes et qui ont participé à leur relocalisation avec l'appui de certains organismes internationaux. C'est donc dans cette perspective qu'il est convenu de faire le bilan de la première année législative de la 49e législature, de voir en quoi et comment se situent les actes parlementaires par rapport à la refondation. Cette question est opportune pour s'auto-évaluer. Malheureusement, le gros des efforts des parlementaires a consisté à gérer des crises, éviter des dérives de toutes sortes, plutôt qu'à voter des lois en tant qu'acte d'institution capable d'imprimer la nouvelle dynamique politique, économique et sociale. En effet, durant l'année législative terminée, il y a eu seulement, au niveau du Sénat de la République, 19 séances en Assemblée plénière sénatoriale et 8 séances d'Assemblée nationale. Aucune loi n'a été votée après le vote de la déclaration d'amendement. Je remercie au passage l'initiative de la société civile, le Réseau national des droits de l'homme et le bureau de la présidence qui avait bien voulu nous assister pour rétablir l'amendement constitutionnel dans son authenticité. De plus, 9 résolutions en Assemblée ont été adoptées. Certaines ont été jugées d'une grande importance stratégique, comme la résolution portant sur l'engagement du Parlement haïtien dans la lutte contre la faim. La résolution en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien et celle manifestant la solidarité du peuple haïtien envers le peuple frère de Cuba. 9 rapports de commission visant également à renforcer les institutions républicaines ont été adoptés. Au niveau de la Chambre des députés, il faut signaler que dès le mois de septembre, les parlementaires ont été en vacances. Cependant, une convocation en session extraordinaire, dont le menu était strictement réservé à la ratification du Premier ministre désigné et à la présentation de l'énoncé de sa politique générale, lui a permis d'avoir un ensemble de séances de travail en commission et de rencontrer conjointement avec le Sénat certaines délégations internationales, notamment 8 séances en assemblée plénière, 9 séances de travaux en commission. Certaines rencontres fructueuses avec des délégations étrangères, dont le Club de Madrid, le Forum économique, une délégation de parlementaires anglais, une délégation de parlementaires allemands, ajoutée à tout cela, l'organisation conjointe avec le Sénat du Parlement de jeunesse constitue l'ensemble des activités de la Chambre des députés au cours de la première année législative de la 49e législature. Pour apprécier le rapport de ce bilan à la situation de la crise politique du pays, il y a lieu de mentionner qu'on n'a enregistré qu'un seul dépôt de proposition de loi faite par des parlementaires. Quant au pouvoir exécutif, qui a la prérogative d'au moins 80% des textes de loi, il n'a fait aucun dépôt de projet de loi durant l'année législative. Ceci dit, de multiples activités de gestion de la crise, de négociations et de discussions avec les partis ont eu lieu allant de la ratification du Premier ministre à la formation du gouvernement, etc. Le retard est donc immense. Et la gestion du temps est très peu efficace pour un pays en situation de grande urgence. Collègues parlementaires, au cours d'une séance
en Assemblée nationale en 1849, Victor Hugo, dans son discours sur la misère, déclara à ses pairs, et je cite, « Collègues parlementaires, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point. Tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessus de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la fosse de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile. Tant que l'usure dévore nos campagnes. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Tant qu'il n'y a pas de loi fraternelle, de loi sociale qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait tant que l'esprit de révolution a pour auxiliaire la souffrance publique. Vous n'avez rien fait tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres qui se continue souterrainement, l'homme méchant a pour collaborateur fatal l'homme malheureux. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, nous sommes conscients de n'avoir rien fait. Mais les maigres résultats ne peuvent nous empêcher de tirer des leçons pour mieux gérer l'avenir. Dès l'investiture du président de la République, le 14 mai 2011, comme président de l'Assemblée nationale, j'ai suggéré l'idée que le Parlement joue un rôle d'interlocuteur dans l'animation du dialogue social entre les acteurs. Durant tout mon mandat, j'ai personnellement tenté de rendre justice à un ensemble d'acteurs qui ont fait des propositions de sortie de crise. C'est dans ce cadre que j'ai proposé une approche décentralisée et méthodique du dialogue social, engageant tous les acteurs et tous les groupes sociaux indistinctement. Si cette approche est concluante en matière de ralliement social, deux éléments retiennent l'attention des différents locuteurs dans le cours de mes plaidoyers. Premièrement, la crise actuelle a un caractère systémique et son origine est profondément enracinée dans l'interruption du dialogue social intergroupe depuis 1806. L'assassinat de l'empereur a fissuré le pays. Il a entravé la recherche de compromis honnêtes entre les groupes pour penser le vivre ensemble et le développement national. Vider ce contentieux historique constitue aujourd'hui un préalable à tout projet d'envergure nationale et doit présider le décollage d'Haïti. Quel homme ou femme d'État peut refuser de faire son mea culpa pour poser de nouveaux jalons constructeurs dans cette direction ?